TV. Bon, bonjour tout le monde, ici Gizmo54. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Aujourd'hui les photos, petite vidéo sur Elder Scrolls Online TV Gaming. Fait longtemps qu'on en avait pas fait. Et c'est parti, on commence maintenant. J'espère que vous allez apprécier. Forcément, j'ai toujours apprécié, même pas, j'ai pas joué. J'ai joué hier de mon côté, mais avec vous autres, c'est longtemps là. Ouais, la qualité est bonne, parfait. Il y a une courroie journalière. Non, je sais pas. Les drops, ça c'est. Des fois les drops, il y a 50% de chance que ça marche, 50% de chance que ça marche pas, ça dépend. Tout dépend. C'est un peu comme le hasard dans le fond. Un casque de loup-garou pour attirer un peu le monde, pour avoir la morsure. Ça, la morsure des poteaux, il n'y a pas 56 solutions. La morsure des poteaux pour devenir un loup-garou, c'est simple. Il suffit de beaucoup de persuasion. Moi, ma technique secrète que je vous donne, c'est que vous voyez un joueur où il marquait You are off, you are off, you are off. Vraiment, faut que vous soyez au taquet, puis faut surtout que vous lâchez pas la personne. Puis surtout, faut aussi que la personne ait envie de vous mordre, c'est sûr. Puis il faut que la personne sache que tu veux devenir loup-garou. Parce que si la personne ne sait pas, et ben c'est ça le problème. Si la personne ne sait pas, les poteaux, c'est ça. C'est un peu comme si tu dirais, exemple, je veux devenir loup-garou, je vais mordre quelqu'un, puis la personne, je vais mordre quelqu'un, vous êtes puis la exactement personne a dit, le genre je vais de devenir loup-garou, que le faire soigner, fait que du coup, tu viens de gaspiller une morsure. C'est ça l'affaire, c'est. Bon, j'ai combien dans mon compte, moi? Assez pour faire enlever cette putain de capus. Cette capus, ça m'énerve. Moi, je sais pas, j'aime pas vraiment les persos féminins avec des chapeaux, je sais pas. Les chapeaux, c'est bon pour les persos masculins, mais bon, les femmes, je préfère sans chapeau dans les jeux, évidemment, ben oui. Bon, on va aller là-bas. On va aller, ouais. Thank you.
commençais à croire que cette bataille était perdue d'avance. Mais à présent que les grands fers sont détruits, il nous reste encore un espoir. Elder Scrolls Online, je trouve que c'est le meilleur MMO ever là. Vraiment, c'est un MMO, c'est un des meilleurs MMO ever car c'est l'un des seuls MMO qui a réussi à bien s'adapter sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. PC, console, quand tu vois, il y en a qui diraient oui, mais Star Wars The Republic c'est bien mieux, non. Non, parce que Star Wars The Old Republic, ils ont même pas été foutus de l'adapter sur console. Il y a un problème, là, quand tu traduis que t'es même pas foutu d'adapter ton jeu sur console, c'est parce que... Je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais bon... Là. En même temps, c'est une question de point de vue. C'est vrai que Star Wars The Republic est plus RPG, mais... Voilà, c'est... Côté graphique, c'est... Si t'as pas une bonne config ou une bonne carte graphique, d'après moi, c'est mort. Le jeu, il va prendre 2 minutes à se fermer, puis au bout de 5 minutes, tu vas rager. C'est ça un peu mon problème avec ces types de jeux-là. Oh, il est même trop chaud avec un peu de mort pour moi, mais bon. J'essaie de trouver genre le juste équilibre. On va aller prendre une armure en œuf de dragon. Oh, un gilet de tan épée. Pire, ouais. Un gilet d'absous, non.
Pourquoi Argonien? Pourquoi Argonien? Pourquoi pas? J'aime bien les épaules. Maintenant, on va enlever ça. On va masquer les épaules. Vous feriez mieux de faire. Les prêtres ont l'air nerveux aujourd'hui. Reprenez-vous! Vous êtes un exact. En raison de l'état du Seigneur, le Seigneur, nous devons. L'intervention du.
Oui, je parle tout. Bon, yo les potos, ouais, je parlais dans le vide pendant 2 heures. Là, j'avais fermé mon micro, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Pour moi, L2-3 Online est l'un des meilleurs MMO ever. Sur cette génération ever, surtout sur cette génération-ci. Pour la seule et simple raison des photos, je ne suis pas un gros joueur et un gros fan de jeux MMO. J'aime bien Guild Wars 2, quelque chose de sympathique. J'aime bien l'univers de Elder Scrolls. J'aime bien Black Desert Online. Même si ce dernier est un peu complexe et les cinémas, les dialogues entre les persos, j'en ai rien à foutre, je m'en bats comme de la 40, je m'en bats les couilles, mais t'as une puissance phénoménale, c'est un peu l'effet que j'ai avec les jeux comme l'histoire. Quand j'ai vu l'histoire de Last of Us 2, je m'en sacrais, mais comme de la 40, moi, wow, c'était, mais... Je sais pas, moi, une vengeance, un perso principal qui se fait crever, l'autre a veut se venger, puis l'autre, non, parce qu'il a fait ci à l'autre, pour ça que l'autre a fait ça. Ah, c'est n'importe quoi, sérieux, c'est wow. Non, mais sérieux. C'est le genre de scénario dans lequel tu te dis t'en as rien dans le truc c'est très je trouve voir un film ou un jeu dans lequel tu te dis j'en ai rien à foutre de ces persos là c'est ça pour moi c'est triste c'est triste en même temps je trouve qu'un peu que c'est du gâchis. Et les poteaux je suis passé de vampire en werewolf ouais quinze boum boum. Tu veux manger, on rapporte tout le monde. Venez, venez vous faire bouffer, venez vous faire bouffer, venez vous faire manger, venez vous faire dévorer. Ah, et tu sauves pas toi, tu sauves pas toi. Tu sauves pas, tu crèves. Aujourd'hui, c'est la journée où on bouffe de l'alpha noir. On bouffe des boss mères. Oui, c'est bon les bâtiments, c'est bon les bâtiments. Ouais. Moi, dans l'univers d'Elder Scrolls, ma race préférée, c'est les boss mares. Pour la seule simple raison, j'aime leur lore, j'aime leur culture, puis je les aime bien parce que c'est une race quand même tenace, ils sont victimes souvent de racisme. De racisme, d'injustice sociale, puis ils ont toujours tenu tête et fait face à l'injustice sociale, puis ils ont toujours relevé fort. C'est ça qui fait que j'admire vraiment les boss mères, honnêtement, j'aime bien leur tempérament aussi. Mais bon. Fait que ça dit, les MMO RPG que j'aime bien, c'est Star Wars The Republic que j'aime quand même pas pire. Black Dude Online aussi, le gameplay, je trouve excellent. L'histoire, le scénario, je m'en vais un peu les stakes. D'après moi, c'est un peu d'après moi comme Last of Us 2. Last of Us 2, ceux qui jouent au jeu, la moitié aime, la moitié déteste, la moitié aime le gameplay, mais ils trouvent que l'histoire elle est à chier, tout dépendant. Ça dépend de quel côté qu'on se place, mais bon. Moi je vois plus ça comme un film qu'un jeu, honnêtement. Last of Us 2, ben oui. Mais bon. Un film quand même très mal écrit. Mais bon. Okay, j'entends du monde des fois dire que Last of Us 2 c'est un chef d'œuvre. ah oui, le Halo, regardez Halo Infinite, c'est un masterpiece, ben oui. Halo Infinite ça va être 20 sur 20, ben oui, ça va être 40 sur 20, ben oui. Last of Us 2 20 sur 20, ben oui, Halo Infinite 40 sur 20, ben oui. Tant qu'à être con, on va être con jusqu'au bout, on va mettre 40 sur 20, tant qu'à pousser la blague, autant la pousser au maximum.
Mais bon. Ça, c'est le genre de jeu que j'adore honnêtement. Elder Scrolls Online. Je vois ça pour gamer. Des fois pour relaxer, je regarde les paysages puis ça me détend. Star Wars de l'Ostique avec ses poppées, une fois je m'étais rendu à une année je m'étais rendu au quasiment vers la fin du jeu, mais bien franchement. Si vous trouvez le jeu Star Wars du Old Republic répétitif et fatigant au début du jeu, attendez. Rendu vers la fin, c'est deux fois pire. Rendu vers la fin, c'est vraiment. Rendu vers la fin du jeu, c'est genre tout le monde te lèche, mais puissance fois 1000. Là vous êtes passé de élève prodige en super roi masterpiece. À la fin, genre, c'est tout le monde sont en mode c'est toi l'élu. Au début du jeu, ils se mettent en mode vous allez faire de grandes choses. Et à la fin du jeu, c'est t'es l'élu, t'es le roi, t'es le king. c'est vraiment, mais wow. C'est ça que j'aime pas trop des MMORPG. Dans les MMORPG, les jeux sont tout le temps en mode, on est en train de flatter le joueur dans le sens du duel, on lui dit des compliments. Je sais pas, pour moi, il y a certains pour qui ça marche, une vieille façon de faire les jeux qui marchaient à l'époque, mais je sais pas, pour moi, ça marche plus vraiment aujourd'hui. Sur moi, ça marche plus vraiment. Mais Star Wars The Old Republic, c'est moins pire. C'est moins pire de ce côté-là. J'ai vu des jeux, c'était 10 fois pire. Ça te faisait de la lèche, mais H24, c'était un truc de fou. Mais bon. Là, j'aime bien les MMO. Les MMO RPG, j'aime bien ça. Ça dépend lesquels. Moi, les seuls MMO RPG, les brutaux que je suis pas capable. C'est ceux dans lesquels on peut se créer des gamines de 12 ans avec des petites culottes pis qui courent le cul à l'air. Je suis pas capable. Ça vraiment, ça me turn off honnêtement. Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Je vois même pas l'intérêt comment tu peux jouer à un jeu de main pis dire moi je vais incarner une petite gamine qui porte des culottes pis qui se promène le cul à l'air. Voilà, genre, à part ça fait fantasmer certains, ok, il faut comprendre que tu peux gagner des persos de même. Mais, à part si t'es une fille, puis si t'es une femme, puis tu joues à des jeux de même, puis t'aimes incarner la version de toi en plus jeune, je peux comprendre. Mais bon. Elder Scrolls Online. Il n'y a pas eu mieux, honnêtement, que Mémoire PG à date sur console. Il n'y a pas eu mieux qu'Elder Scrolls Online, ça c'est sûr. Il y en a qui diraient oui, mais il y a Star Wars The Republic. Star Wars The Republic, premièrement, c'est un jeu qui est quand même assez daté graphiquement. C'est un jeu quand même qui n'est pas sur console, heureusement. Sur console, ça aurait été une autre paire de manches, je vais rouler, mais bon. Mais bon, Star Wars The Republic, c'est surtout que ça prend une bonne config pour le faire fermer comme il faut, parce que le jeu, il marche bien. C'est juste que quand tu viens pour fermer le jeu, des fois, ça peut prendre 2 minutes, 2-3 minutes à se fermer. Moi, 2-3 minutes à se fermer, pour moi, c'est de mon côté, c'était ma config. Là, du coup, pour vraiment y jouer, profiter du jeu, je vais être obligé d'attendre au mois d'août. Milieu où environ, il y a quelqu'un? Parce que le temps que j'ai besoin d'aide. Supply qui va être assez puissant pour faire rouler ma carte graphique, ça va être vraiment un truc de dingue, ça va être wow. Là, ça suite, va rouler là. J'ai une aversion naturelle envers les dédras. Puis si jamais ça roule pas, ça veut dire que c'est un problème, les dédras.
Ben oui, à un moment donné, faut pas chercher une à 14 heures. C'est comme les mods, quand t'installes des mods pour Skyrim, puis le ton jeu est blanc, parce que c'est des mods qui sont installés. Faut pas chercher non plus à créer et comprendre le pouvoir du commun. Oh, 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 toi, je t'avais oublié, Pépère. Je t'avais oublié, toi. Allez, viens, on va s'aimer tendrement. Ouais, tu gardes tes distances, là, viens. Respecte les 2 mètres. Ben oui, respecte les 2 mètres, il y a l'autre. Il y a l'autre, il y a un truc qui circule dans l'air, puis monsieur, il commence à faire des câlins, là. Le dévoreur en plus, le dévoreur en plus, c'est un esprit pour moi qui aime les câlins. Soit ça ou soit la tenue de ma perso qui l'excite. Non, des fois les potions, je dis pas des demandes d'amis, pas des demandes d'amis, mais des membres de. Des invitations à des groupes, je veux juste vous dire, précisez si vous parlez français. D'un, c'est pas que je joue pas avec n'importe qui, je joue pas avec tout le monde qui parle anglais, je parle pas très bien anglais, parce que. Ça pas non plus sorti de jouer, d'avoir un dictionnaire. Un dictionnaire anglais-français. Oh, mais lâche-moi, sale monstre! Oh, ouais. Ah, toi, j'ai tellement hâte de te trouver, là. Ah, ouais, tu vas te souffrir, on va t'apprendre. Attends, mais je peux te transformer en loup-garou, tu vas en manger une maudite, tu vas en manger une petite calice, toi. Lâche-moi! Lâche-moi, le dévoreur! Dévoreur sacrément. Attends, je vous dis de quoi, donc moi je te le dis. Oh, alors, tu vas en manger une tabarnak. Oui, attends, mais je me transforme ici. Tu vas en manger. Tu vas en manger. Ça va être ici. Déjeuner, dîner, souper. Tu vas voir ça. Ça va être non-stop. Ça va être beau. Ça va être épique. Tu vas aimer ça. Ah. Lâche-moi! Ah, wow! Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre sa langue dans les nichons de mon perso. Il rentre sa langue dans la poitrine de ma guerrière. Ah, c'est un gros dégueulasse. Hein? Il y avait la langue de la poitrine de mon perso. C'est un méchant dégueulasse, un gros pervers. Là. Dans le dévoreur, ça existe aussi dans tes os. Voilà.
Arrête de me... Tiens, là tu vas arrêter de me toucher la poitrine. Non, allez, meurs pas. On dirait que le danger est passé. Essuyez-vous les pieds. Tiens, mon gros dégueulasse. Ah, wow. Ouais, ça se peut. Tu es en mode. J'ai la langue dans la poitrine, en vrai, donc, là. Ah, wow. Il est si difficile. La situation. Mes serviteurs? Je pourrais. Mes serviteurs? Tes serviteurs, ouais. Ouais, tellement. Bon, qu'est-ce que t'as dans le coffre? Pourquoi Alain? Non, pourquoi Alain? Banane, non. Oh, du poisson. Ben oui, toujours bon. C'est trop bon. Je fouille, des fois, il y aurait des styles d'artisanat. Il est à gérer. Le coffre, crochet, bof, pas besoin de crochet, moi. Tag en acier, non. Non. Bon. Léona Blasio, moi je ferais Léona Blasio. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Mais avant, je vais monter voilà, sur le quai. Bon. Bon les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est que des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et c'est qu'un abonnement à ma chaîne. Si mon contenu vous plaît avec le général, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gizmo64. Allez, je vous souhaite un très bon début de semaine. Allez, ciao les potos. C'était Gizmo64 pour un Tizo Gaming. Allez, ciao et à la prochaine. Bon début de week-end. Bon début de semaine, pardon. Et je vous dis à la prochaine. Allez. A très vite, ciao.